Bonjour mes étoiles. Bonjour, bonjour mes étoiles. Bonjour. Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs pour protéger le live. Partagez massivement ce live. Taguez tous les blogueurs du monde que vous connaissez, du monde africain. Tous les blogueurs ivoiriens que vous connaissez. Tous les blogueurs camerounais que vous connaissez, surtout les Camerounais et les Ivoiriens. Taguez-les. Taguez tous les blogueurs camerounais, tous les blogueurs ivoiriens. J'ai laissé un dimanche mes enfants à la maison, juste à côté de la maison, pour venir crier dans la voiture. Pour venir crier, vous entendez ma voix depuis avant-hier. Comment faire crier dans mon direct, ma voix est partie. Mais je vais encore crier. Taguez, je dis, mes étoiles, partagez le live là. Marthe, la vraie magie. Libérez les cœurs pour que Meta ne supprime pas le live-ci. Pour qu'ils voient que c'est un live, ne pleurez pas. Libérez les cœurs, c'est-à-dire taguez tous les blogueurs ivoiriens qui m'ont mêlé. Partagez le live. La page est toujours restreinte. Je vais regarder à combien de partages vous êtes pour commencer à parler. Il n'y a que 29 partages. Si vous faites au moins 100 partages, c'est déjà bien. Magou, je suis dépassée. Je suis dépassée. Quand vous avez tagué tous les blogueurs que vous connaissez, les blogueurs, les acteurs des réseaux sociaux, les influenceurs, les deux pays ici qui souillent l'Afrique sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens et les Camerounais, quand vous avez tagué tous les blogueurs là, je saurai quand vous avez tagué tout ce monde. Et que vous avez fait un élan de partage. Quand vous finissez de taguer, vous faites un élan de partage. Chacun partage dans 10 groupes. On libère les cœurs pour protéger le live. Et on parle. Partagez massivement le live. Je suis très fâchée, mon étoile. Roussel, bonjour. Maximum, merci Cédric. 10 partages par personne. Vous êtes déjà plus de 200. 10 partages par personne. Ce n'est pas le Congo ça. Vos frères ne sont pas en train de se déchirer. Pour une fois, partagez ce qui est bon. Pour une fois, partagez ce qui est bon. Les vrais abonnés qui sont là. Chacun partage dans 10 groupes. Bonsoir mes étoiles d'amour. Mes chers compatriotes. Et toutes les communautés de différents pays. Qui m'ont toujours fait l'honneur de me suivre. Dans ce village virtuel. Qu'est la page de mes étoiles et moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile cribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Beaucoup d'entre vous connaissent ce visage. On partage massivement le live. On libère les cœurs pour protéger le live. Beaucoup d'entre vous connaissent ce visage.
ce monsieur-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que tout le monde ne peut pas nous connaître, c'était l'un des plus gros influenceurs ivoiriens. Bob Lee, mes étoiles, on partage le live, la page est restreinte, les partages vont débloquer la page. On partage pour que le live parte. Ce gars, c'est un collègue des réseaux sociaux. Parce que quand tu es influenceur, créateur de contenu, acteur des réseaux sociaux, blogueur, tous ceux qui font la même chose que toi sont tes collègues du virtuel. Ce visage, c'est le visage de Bob Lee, l'un des plus gros influenceurs de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de Bob Lee, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont dire « je ne le connais pas ». Dans ses audiences, les audiences qu'on dit « audiences » sur Facebook, je vais vous montrer les audiences de Bob Lee. Bob Lee, qu'on parle d'audience, je vais vous montrer les audiences de Bob Lee. On partage le live, mes étoiles. On partage massivement. Chaque personne qui arrive, toi qui es contre les clashs, les insultes, les diffamations sur les réseaux sociaux, tu arrives, tu partages dans minimum 10 groupes. Si tu as un milliard de groupes, tu partages le live là-bas. Je vais te montrer comment on partage un live. Le live là-bas. Tu entres dans le live, tu partages ici. Tu choisis tes groupes. Tu libères les cœurs pour protéger le live. Tu tapotes là. Tu libères les cœurs pour protéger le live. Donc, Bob Lee. Bob Lee. Facebook dit que Bob Lee est populaire en ce moment. Je cherche Bob Lee Pop. Facebook me dit que Bob Lee est populaire en ce moment. Sa page est où même? Ce blogueur, Bob Lee, je répète, c'est l'un des plus grands influenceurs ivoiriens. En termes d'audience, je vais vous montrer quelques de ses audiences. Avant de parler, ma voix part déjà parce qu'elle était déjà partie. Son dernier live avait presque 3000 likes. On s'en fout des commentaires. Les likes. Son avant-dernier avait 4000 likes. Je sais où je vous amène. Kimo Merlin, dosez-moi les partages dans ce live. Quand Bob Lee avait petit like, quand Bob Lee avait petit like dans ses vidéos, quand on dit blogueur, influence, suivi, quand il avait petit live, non acheté là, c'était 2000, c'était 500, c'était rare qu'il ait 100 likes. Bob Lee est là. Maintenant que j'ai parlé de ses likes, vous êtes déjà plus de 700. Vous qui venez d'arriver sur la page, faites 10 partages par personne dans les groupes pour que ce live aille dans les deux pays qui nuisent les réseaux sociaux en Afrique. Les deux pays de la malédiction. Les deux pays de la honte, les deux pays qui détruisent l'image de nos ancêtres africains, les deux pays qui foutent le plus de désordre sur Meta, les deux pays que je cite là. Partagez ce live pour que ça arrive dans ces deux pays. La Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Côte d'Ivoire et le Cameroun.
les deux pays de la gangrène de Meta, où le vaudou, la sorcellerie, la méchanceté voient le jour. Maintenant que j'ai parlé des vues de Bob Lee, Bob Lee était un grand acteur des réseaux sociaux. Quand on parlait d'influence en Côte d'Ivoire, il est cité parmi les premiers. Quand Bob Lee s'asseyait pour clasher quelqu'un, il avait au minimum 2000 personnes qui le regardaient. Dans les 2000 personnes qui le regardaient, il y avait au moins 1500, 1700 personnes qui envoyaient des étoiles, qui soutenaient Bob Lee dans ses insultes, qui encourageaient Bob Lee, qui disaient à Bob Lee, « Papa, tu es fort, bravo !»« Papa, tu es fort, il n'y a pas ton deux !»« Papa, tu es fort, il fallait fermer la bouche à cette fille !» Papa, fracasse encore, j'ai des informations à te donner. Bob Lee dosait, dans le calme. Il dosait. Lorsque Bob Lee s'est retrouvé à l'hôpital, aucun des faux profils n'était avec lui à l'hôpital. Il s'est retrouvé seul, abandonné à son sort, à l'hôpital. Quand il est revenu chez lui, il s'est encore retrouvé seul, abandonné à lui-même. Les étoiles n'étaient pas là. Les encouragements qu'on lui donnait dans ses lives n'étaient pas là. L'argent que Meta lui donne à la fin du mois n'était pas là. Et on va en venir à sa mort après. Le jour où je tombe sur la vidéo de Love Gugu, une influenceuse ivoirienne, qui a aussi déjà eu des problèmes de clash sur la toile. Je tombe dans sa vidéo par inadvertance. Mes étoiles partageaient le live. Elle avait perdu son enfant quelques jours auparavant. J'entre dans sa vidéo. Elle est en train de maudire Bob Lee. Elle se prépare à enlever sa culotte. C'était le premier jour de ses règles. Dès que j'ai entendu qu'elle va enlever sa culotte, je suis d'abord sortie du live pour ne pas voir le sang, pour ne pas voir sa culotte. Et je suis rentrée dans le live. Ceux qui ont écouté ce live, comme il y a beaucoup de suiveurs sur Meta, quand je vous dis d'avoir l'esprit de discernement, vous ne m'écoutez pas. Si vous aviez des parents qui vous donnaient des conseils, Vous alliez comprendre ce qui se passait dans ce live. Si vous aviez un peu de crainte de celui qui est au-dessus de notre tête, le jour où il y a eu ce live, beaucoup d'entre vous ne seraient plus allés encourager les blogueurs à faire du sale. S'il y avait un peu de matière grise dans les cerveaux de beaucoup, ce jour-là, vous aurez stoppé l'hémorragie. Le chrétien qui connaît la parole, connaît la puissance de la parole quand un être humain est dans sa raison. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on a partagé ce live que je fais avec beaucoup de colère? Le chrétien qui connaît la parole et qui connaît la puissance de la parole, lorsqu'une maman en pleurs est en train de dire certaines choses, allait comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, l'étoile chrétienne, plus que jamais, je suis encore fière de ma ligne éditoriale, qui est la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils dans le positif. Pourquoi? Lorsque j'ai vu cette scène, j'aurais pu dire je ne parle pas, parce que ce sont les Ivoiriens. Mais je savais que Dieu m'a envoyé pour un plan sur Meta. J'ai allumé ma caméra. Après la scène de Love Gugu, le live est encore sur ma page. Le titre de Love Gugu descendait. J'ai appelé ma soeur ivoirienne. J'ai appelé Bob Lee. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis fière de me mêler de tout. Mais au moins quand on va regarder la traçabilité, on verra les sujets sur lesquels je me mêlais vraiment. J'ai interpellé les consciences de Bob Lee. J'ai interpellé la conscience de Love Gugu.
J'ai dit ce jour dans mon live que, hey, on mélange déjà le vaudou dans Meta. Vous allez déjà si loin, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ce jour, je vous ai parlé ce que c'était le sang. Pas plus tard qu'avant-hier, avant de dormir, comme vous méprisez les lives des gens comme nous qui sont les stars bracata. Je vous ai dit que quand une femme saigne, surtout le premier jour de ses règles, ou quand elle vient d'accoucher, les premières règles là, le premier sang là, ça a une puissance qui ne dit pas son nom. Ça a un pouvoir qui ne dit pas son nom. Le plus gros live que Love Gugu a fait contre Bob Lee, ce n'est pas vos choses d'incantation que vous montrez. C'était le jour où elle a dit dans son live, Bob Lee, je suis une femme. Aujourd'hui, c'est le premier jour de mes règles. Voilà ce que je te dis avec les larmes qui coulaient dans les yeux. Elle parlait. Je leur ai parlé pour que ça s'arrête. Mon live a été partagé en Côte d'Ivoire. Merci, mon étoile, de dire que tu te souviens. Les Ivoiriens ont partagé. Bob Lee ne s'est pas arrêté. Love Gugu ne s'est pas arrêté parce qu'elle continue à pleurer. Le jour de la dépouille, où on prenait la dépouille du fils de Love Gugu, Love Gugu a dit à Bob Lee que c'est dans les oreilles de mon enfant que je vais lui parler. Allez demander au peuple de l'Ouest, au Cameroun, ce que c'est que de parler dans l'oreille d'un enfant qui est décédé. Toi, la mère, tu pleures, tu souffres. Ce que l'esprit de cet enfant, qui sait que non seulement sa maman est en train de le pleurer, sa maman ne va plus jamais le voir. Elle souffre déjà de sa disparition. Il y a encore quelqu'un qui est en train de la détruire doublement. L'âme de l'enfant là ne peut pas se reposer tant que l'âme là n'a pas fait justice. L'âme de cet enfant ne peut pas se reposer tant que son âme n'a pas fait justice. Cet esprit va errer jusqu'à mort s'ensuit. Mort s'ensuit. J'entends des gens qui me parlent du peuple gabonais. J'ai vu la vidéo du père de la petite qui est décédée là, qu'on a tué en Tunisie ou là. Les parents de ce peuple, de cette fille, entendez bien ce qu'ils disent. Ils n'ont pas maudit Bob Lee. Ils ont demandé à leur esprit, l'esprit de leur enfant, d'aller hanter tous ceux qui ont contribué à sa mort. Or, Bob Lee n'a pas contribué à la mort de la petite. Donc le Gabon ne s'adressait pas à Bob Lee. Et un esprit de discernement. Le Gabon s'adressait aux gens du pays où elle était. Le Gabon n'a pas géré Bob Lee. Parce que comme tout bon blogueur, il a le droit de se prononcer, donner son avis. Or, le clash de Bob Lee avec Love Gugu, c'était la totale. Mes étoiles, protégez le live, partagez le live. La page est très restreinte. Libérez beaucoup de cœurs en Turquie. Merci Joël Messi. Ce que Love Gugu dans ses pleurs, elle a dit à son enfant, à l'oreille, elle a dit à Bob Lee, Bob Lee, je vais parler dans l'oreille de mon enfant. Mes chères petites sœurs, mes chères étoiles d'amour, chère communauté, vous qui me suivez, la parole, n'importe qui peut te maudire. Mais quand n'importe qui te maudit, quand tu n'as pas tort, ça ne prend pas. Mais quand n'importe qui te maudit dans la raison, il faut faire très attention. J'ai toujours dit que quand tu as les mains blanches, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, ça ne peut pas t'atteindre. Mais quand tu sais que tes mains sont souillées, 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu vas tomber. Un à ta gauche, un à ta droite, tu vas tomber. On ne va pas venir faire semblant.
juste de dire Yako, juste de dire courage. Parce que depuis un certain temps, celui qui est là-haut nous envoie des messages à nous les blogueurs qui insultons les parents des gens à longueur de journée, qui détruisons les familles des gens à longueur de journée, qui détruisons les commerces des gens à longueur de journée, qui aimons s'aimer la zizanie, insulter les mamans qui ont déjà les cheveux blancs sur la tête, les pères qui ont les cheveux blancs sur la tête. Ces mots-là, c'est pour nous dire quoi? Quand tu insultes une personne âgée parce que tu as la visibilité, tu dis tu es trop vieux, tu es ceci. L'âge là est une grâce et Dieu vous montre, respectez les aînés parce que vous êtes à la fleur de l'âge, vous partez avant les vieux que vous avez insultés. Ce que Love Gugu a parlé, ça a agi parce que Love Gugu était dans sa raison. Ce que Love Gugu a parlé, vous voyez, l'incompréhension, c'est quelque chose de grave. Toi, on va te gérer après. Love Gugu, tu dis, est-ce que c'est Bob Lee qui les a tués? Tu es un être humain. On ne prend pas seulement un couteau, on le poignarde. On ne prend pas seulement une arme, on transperce sa poitrine. Tu peux tuer un être humain avec les insultes. Tu peux tuer un être humain avec le dénigrement. Tu peux tuer un être humain avec la diffamation. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de supporter certaines choses. Hier, Mama Tina, on a insulté le cadavre de son enfant. Mais elle n'a pas invoqué les esprits. Elle n'a pas parlé dans l'oreille d'Arafat. Mais il y a Love Gugu qui n'a pas supporté. Parce que son fils est mort dans des circonstances tragiques. Non seulement l'enfant s'est retrouvé seul dans son appartement. Sans sa maman, elle a d'abord le remords de dire « Peut-être les dernières heures, il m'a appelé. Peut-être qu'il avait besoin de moi. Peut-être que j'aurais pu le sauver. Mais je n'étais pas là. » Tu as d'abord cette culpabilité. Tu te tues d'abord avec cette culpabilité. Maintenant, tu es un blogueur. Pendant que tu vas récupérer le corps de ton enfant, même si... On sait que Love Gugu était en clash avec Bob Lee. Où elle avait pris la photo de la maman de Bob Lee. Ça, ce n'est pas la mort. Vous jouez beaucoup avec les morts. C'était des clasheurs. Mais quand tu prends la mort, quand on dit souvent que quand la mort est au milieu d'un problème, fais très attention. Il fallait laisser cette fille d'abord pleurer son enfant. Il fallait d'abord laisser, quand vous entendez que quelqu'un est mort, ce n'est pas à l'instant que son esprit part. Ce n'est pas à l'instant que son âme part. Son âme a quitté son corps. Il n'a plus de vie. Mais l'âme est encore en train de errer. Son esprit est encore en train de errer. Et cet esprit-là est parmi vous. Vous qui pleurez pendant qu'il est là. Il écoute ce que vous dites. Bon ou mauvais, il enregistre. L'enfant voit comment sa maman est en train de souffrir. Il y a un monsieur... Sous prétexte qu'il a l'audience, il est en train d'encourager ça. Il est en train d'ouvrir le champagne. Vous qui étiez en train de donner les cœurs à Bob Lee, vous qui étiez en train de libérer les étoiles à Bob Lee, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes à côté de vos enfants. Vous êtes à côté de vos époux et vos épouses. Vous êtes là sur les réseaux sociaux à pousser les gens à faire du sale. À pousser les gens à se haïr. À pousser les gens à se détruire. Et quand il faille payer de nos erreurs, vous n'êtes plus là. Mes chers collègues blogueurs, ouvrez les yeux. Mes chers collègues influenceurs, créateurs de contenu, ouvrez les yeux. Les réseaux sociaux que vous voyez là, il n'y a pas plus et vous que ça. Derrière les profils que vous voyez là, il y a ceux qui sont déjà décédés. Il y a ceux qui sont déjà décédés, qu'on appelle des âmes perdues, qui de leur vivant étaient d'abord des personnes mauvaises. Lorsque la mort les a pris, les âmes n'ont pas été acceptées. Qu'est-ce que ces âmes deviennent? Des fantômes.
Et comme de leur vivant, ils faisaient déjà du mauvais, ils continuent en faux profil. Il y a des fantômes là même qui ont des faux profils. Parce qu'un être humain raisonnable, qui a reçu des valeurs, une bonne éducation, qui a un bon cœur, ne peut pas attiser la haine. Ne peut pas animer la haine. Lorsqu'on voit un blogueur insulter quelqu'un, il y en a qui partent prendre l'argent dans leur compte pour dire insulte encore bien. Quand tu prends cet argent-là, oui, tu es content de prendre 1000 euros pour insulter quelqu'un, 1000 euros pour détruire quelqu'un, mais c'est l'argent de la saleté. Et ta fin sera tragique. Ils sont où aujourd'hui, ces faux profils? Ces fantômes sont où? Ils ont contribué à détruire. Ils ont fait leur travail. Et aujourd'hui, Dieu nous parle pour nous demander de nous calmer. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Est-ce qu'il faille venir juger Love Gugu pour ses incantations? À Dieu ce jugement. Mais ce que je veux dire, seul Dieu doit avoir le pouvoir d'arracher la vie. Ce que je veux dire, seul Dieu doit avoir le pouvoir d'arracher la vie. Même à ton pire ennemi, tu ne dois pas contribuer à l'envoyer à la mort. Tu dois éviter ça. Tu dois laisser la loi de la nature agir. Même à ton pire ennemi. Mais, chez certaines personnes, la douleur est énorme et ça les pousse à leur retranchement. Dans la visibilité de Bob Lee, en tant que blogueuse qui sait combien on gagne sur Meta, je peux vous dire que Bob Lee, s'il touchait petit avec son audience, c'est au moins 5 000 euros, 5 000 dollars par mois. 5 000 dollars par mois. Ceux qui ne comprennent pas comment je fais mon live vont dire tu passes du coq à l'âne. Ça se poursuit. Les 5 000 dollars par mois qu'il se faisait là ne sont pas là aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Les 5 000 dollars qui se faisaient par mois ne sont pas là aujourd'hui. Ce sont ses enfants, deux enfants, qui se retrouvent orphelins. C'est sa pauvre maman qui l'aimait, qui se retrouve en pleurs. L'argent est bien. Mais quand tu le gagnes dignement, c'est mieux. Qu'on vienne se clasher, mais qu'on ait des limites. Qu'on vienne se dire les bé, mais qu'on ait des limites. Il faut qu'on se le dise. C'est pourquoi je vais dire merci à Aya Robert. C'est un blogueur ivoirien sans faire la part des choses. Un jour, cette femme, toi qui mets le démon là sur mon numéro là, que Dieu te voit. Parce que ce truc que tu vois épinglé est déjà là depuis. Un jour, Aya Robert a insulté, je crois, maman Tina. Non, la maman d'Apuchou. J'ai fait un live sur Aya Robert. Je lui ai dit ce que je pensais. Cette fille ne m'a pas répondu, mais elle a été touchée. Deux jours plus tard, elle est venue présenter ses excuses à cette maman. Parfois, quand vous reconnaissez vos torts, osez dire que vous demandez pardon. Si c'est 100 fois, ne regardez pas ceux qui vont se moquer de vous. Parce que quand il faut payer, ils ne sont pas là. Quand ils vous disent que tu es trop faible, tu demandes pardon. Dieu va te bénir parce que tu as reconnu tes torts. Tu as demandé pardon. J'ai beaucoup aimé l'action de Aya Robert. J'ai reconnu la grandeur de cette fille. Si c'était un blogueur camerounais, il allait brancher sa caméra pour me dire que je me mêle de tout. Il n'allait pas comprendre le sens du message. Cette fille, elle a compris. Aujourd'hui, Aya Robert est maman. Personne ne sait si grâce à ce pardon, le Seigneur lui a ouvert les portes. Lorsque les gens interpellaient Bob Lee, lorsque j'ai fait ce live, j'ai cru que ça allait toucher Bob Lee. J'ai donné des mots à Bob Lee pour qu'il éprouve de la compassion pour Love Gugu. J'ai rappelé à Bob Lee que quand je l'écoute parler, j'adore son éloquence. Je le vois grand, mais Bob Lee,
La grandeur d'un homme, c'est aussi par ses actions. Comment tu peux voir une femme à terre et tu fais ça? J'ai cru que Bob Lee, le message allait arriver, il allait changer, il a continué. Et il se moquait, il continuait à se moquer du cadavre. Tous les rituels que cette femme a fait, l'esprit de l'enfant là ne pouvait pas rester tranquille. Et peut-être que c'est maintenant que l'esprit là va aller se reposer. Et c'est dommage. L'argent de Facebook nous envoie faire n'importe quoi. Nous envoie faire n'importe quoi. Les étoiles. Donnez les étoiles, donnez les étoiles. Ça nous tape la tête. On croit qu'on est supérieur. On croit qu'on dépasse Dieu. Oh, le souffle est petit comme ça. On parle mal aux gens parce qu'il y a 1500 personnes qui nous regardent. Ce n'est pas parce qu'on parle trop bien. C'est parce qu'il veut qu'on nous regarde. Cette page est restreinte. Si ce Dieu a permis qu'il y ait ce monde-là, c'est parce qu'il veut que son message passe. Ce n'est pas parce que je suis trop forte. Descends. Les gens vont déterrer les cadavres des gens. Les gens vont filmer les morts des gens. Parce qu'ils sont en clash sur Facebook. Des mamans qui n'ont rien demandé. Des pères qui n'ont rien demandé. Les gens prennent les enfants des gens. Ils mettent dans les sites pornographiques pour alimenter leur clash. Les gens insultent les maladies des enfants des gens parce qu'ils croient qu'ils sont trop suivis. Je vous avais dit une chose. La réussite d'un homme ne s'arrête pas à une belle voiture. La réussite d'un homme ne s'arrête pas à son poste au travail parce que tu es le patron, parce que tu es chef. La réussite d'un homme ne s'arrête pas à l'argent qu'il a dans son compte en banque. La vraie réussite d'un homme, c'est le savoir qu'il laisse en partant. La connaissance qu'il laisse. Les actions qu'il va laisser. Ce sont les actions que tu poses de ton vivant qui doivent rester. Et ce sont ces actions-là qui font ta réussite. La connaissance que tu laisses lorsque tu pars, c'est ce qu'on appelle réussite. Cette personne de son vivant a impacté qui ? Cette personne de son vivant a changé la vie de qui? Cette personne de son vivant a posé quelle action? Bob Lee aujourd'hui part. La plupart des personnes, les actions qu'il a laissées font en sorte que, au lieu de le pleurer, les gens disent « tu as assez fait du mal ». Ça veut dire qu'on va très vite l'oublier. Et le peu de personnes qui vont se rappeler de lui, ce ne sera que pour parler du négatif. Et c'est triste. Tu as beau avoir les plus belles maisons. Tu as beau fréquenter les plus grands milieux luxueux. Si tu n'as laissé aucun savoir aux jeunes, aux enfants que tu as eus, à ta famille, au monde qui ne te connaît pas, tu as tout perdu. Nelson Mandela est parti depuis des années, mais ses bonnes actions parlent d'elles-mêmes. Les Unyobe sont partis, mais leur combat reste. Mes frères et sœurs blogueurs, dernièrement, on perd trop de blogueurs. Le message est pour nous. Ne venez pas vous repentir parce que il y a mort et demain vous recommencez. Un peu de limite dans vos clashs. Un peu de limite dans l'infiltration des vies privées des gens. Et je m'adresse également à moi. Parce que dans le commérage, l'étoile chrétienne est dedans. Dans le déballage, l'étoile chrétienne est dedans. Dans l'attaque, l'étoile chrétienne est dedans. Voilà un message pour nous. Bob Lee avait plus d'audience que moi et beaucoup de blogueurs. Il n'est pas parti avec son audience. Les faux profils vont continuer à boire. Tout à l'heure, je mangeais avec mon mari et mes enfants. Le soir, je vais faire l'amour. Mais Bob Lee a perdu sa vie comme un jeu. Celui qui va venir dire que c'est la coïncidence, je ne suis pas responsable de la bêtise de ton cerveau. Lorsque tu parles en mal, toi la femme, avec ton premier sang que tu coules, dans ta raison, la loi de la nature, si tu n'es pas croyant, la loi de la nature agit. Si tu es croyant, même Dieu t'entend. Je tiens à vous dire que faites autant de rituels que vous voulez pour tuer quelqu'un. Quand ce quelqu'un est dans la vérité,
même Dieu le sauve. Dieu n'a pas pu sauver Bob Lee parce qu'il était dans le sale. Je vais vous raconter une histoire que je vous ai déjà racontée ici. Lorsque je vous exhortais de faire toujours en sorte que vos mains soient blanches. Pour ceux qui connaissent la ville de San Melima au Cameroun, San Melima, j'ai été à l'école dans cette ville-là. Écoutez ce que j'ai dit avant. J'ai dit, je vous avais dit de faire toujours l'effort d'avoir des mains blanches. Parce que quand quelqu'un vous combat et que vous avez les mains sales, ça déteint sur vous. Mais quand vous avez les mains propres, ça n'agit pas. Même s'il est puissant comment, celui en qui tu crois au-dessus de ta tête, il va mener tes combats. Et là, je vous parle de San Melima. Parce que désormais, il faut que j'explique bien. Tout le monde n'a pas la faculté de vite comprendre. Cette ville-là, j'ai fait une partie de mon cursus scolaire là-bas. Au Kodial. Ceux qui connaissent la Famba, c'est une rivière où les gens vont laver leurs vêtements. J'avais des amis dans un voisinage. Nous étions devenus comme une famille. Je vous en prie, partagez ce live. Nous sommes allés un matin, samedi matin, aller faire la lessive. Écoutez bien. Nous sommes allés aller faire la lessive. Vous connaissez en Afrique comment ça se passe. On ramène des vêtements avec du savon sur la pierre. On lave les vêtements. Pendant que nous sommes en train de laver les vêtements à la rivière, je crois que je devais avoir 15 ans. Cette histoire, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Excusez-moi pour la voix. Pendant que nous sommes en train de laver les vêtements avec les voisines, que le ciel m'en soit témoin. Bob Lee qui vient de mourir là, qu'il sache que le témoignage que je fais, son esprit sait que c'est vrai. On ne ment pas. Une dame s'amène en colère à la rivière. C'est sa colère qui nous a attirés. Elle parlait toute seule. Elle arrive à la rivière comme ça. Tu vas voir. Cette fois-ci, je ne te laisse plus. Je vais te faire ça dur. Les esprits vont... Je ne sais plus si elle a dit les esprits. Je vais te faire ça dur. Trop, c'est trop. J'en ai marre. Tu vas voir. Si on va encore te parler de moi, tu ne vas jamais comprendre. Une femme, elle parle comme ça. Le papier qu'elle avait en main, elle dit cette fois, c'est scellé. Elle prend le papier, jette dans l'eau. Et sur la colère, elle part. Elle n'a même pas regardé que nous étions là. C'est comme si Dieu avait voilé son visage et bouché ses oreilles. Elle ne pouvait même pas voir qu'il y avait des jeunes enfants. On avait entre 14 et 15 ans. Moi, San Melima, j'étais en quelle classe? Donc, j'avais 15 ans. Voilà. Je me souviens de la classe que je faisais. Elle a parlé comme ça. Elle a tourné son dos. Elle est partie. Elle parlait seule. Les paroles sortaient de sa bouche. Quand elle est partie, moi, je suis courageuse depuis petite. Elle a jeté le papier qu'elle avait en main dans l'eau. Elle a dit, cette fois, ton destin est scellé. J'ai dit à ma voisine d'à côté, j'ai oublié son nom, Blanche. Je lui ai dit, Blanche, va ramasser le papier là. Blanche a dit que non, moi, elle ne ramasse pas. Comme j'avais grandi à l'église, j'ai connu l'église très jeune. J'ai dit, moi, je m'en vais ramasser. En fait, je suis le genre de personne, tout ce qui fait peur, moi, ça ne me fait pas peur. Parce que Dieu est puissant. J'ai pris le papier, j'ai ouvert. Devant Blanche, mes voisines. Devant Dieu, devant les hommes, mes frères, mes étoiles d'amour. Quand j'ai ouvert le papier, je ne sais plus ce qui était écrit dans le papier, ça fait longtemps. Tout ce que je peux vous dire, dans ce papier, il y avait une lame, les ongles et les cheveux. Il y avait une lame, les ongles et les cheveux. J'ai pris ce papier et j'ai dit, au nom puissant de Jésus, je brise. J'ai pris ce papier, j'ai dit, au nom puissant de Jésus, je brise. Ce papier qui était censé aller dans l'eau, avec les esprits démoniaques que vous connaissez, n'a jamais atteint sa destination. Quand j'avais 15 ans, je vous promets que je ne me rendais pas compte de l'action que je venais de poser. C'est avec l'âge, la maturité, que j'ai compris que le Seigneur venait de sauver une femme ou un homme. C'est avec l'âge que j'ai compris que Dieu était passé par moi pour sauver une femme ou un homme. Parce que plus j'évoluais à l'église, plus j'apprenais des choses. Ça veut dire quoi?
les ongles, la lame et les cheveux qu'il y avait dans ce papier-là. La personne qui était destinée soit à mourir, soit à devenir folle, on ne sait pas à quoi aurait servi ce sort. Cette personne était soit une personne croyante et une personne qui avait les mains blanches. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que elle ne voyage pas la nuit. Elle ne fait pas du mal. Même dans l'ombre de la mort, aveugle, le Seigneur la sauve. J'ai réussi à sauver une dame ou un homme. Du moins, le Seigneur est passé par moi. La morale de l'histoire. À chaque fois que tu vas reconnaître ton tort, demande pardon. À chaque fois que tu vas poser des actions, évite d'avoir tort. Évite d'avoir tort. Parce que à chaque fois que tu auras tort, c'est la porte que tu ouvres pour qu'on réussisse à te faire du mal. Lorsque j'ai défendu le dossier des jeunes filles qui ont été escroquées par une dame que vous connaissez, nous sommes devant 2000 personnes. Je ne veux pas jeter cette dame à la vindicte populaire et je ne vais pas citer son nom. Il y a une chose que j'ai dit à ces jeunes filles. Je ne veux pas que vous mentiez dans mon live. Il y a une parmi elles qui m'a dit, elle m'a remboursé une partie de mon argent, mais est-ce que pour pimenter mon dossier, parce que je veux que les gens nous croient, est-ce que je peux dire qu'elle ne m'a pas remboursé? J'ai dit non. Ce qui va nous faire gagner, c'est ta vérité. Parce que nous allons faire ce live avec la présence de Dieu. Puisque son nom est bafoué, on veut inciter son peuple à ne plus croire en sa puissance. Je veux que tout ce que tu diras dans le live soit ce que tu as vécu avec cette dame. Si elle t'a remboursé un centime, dis-lui. Dis-le publiquement. Parce que ne fais jamais du mal. Ce qui fait que ma famille a appelé pour me dire, cette femme voyage dans la nuit, elle va te faire ceci, elle va te faire cela. Avec toutes les preuves que les victimes m'ont données, j'ai pris le courage de m'asseoir parce que je sais sur quoi je compte. Si les victimes n'avaient pas donné de preuves, les audios et autres, jamais je n'aurais fait ce live. À chaque fois que, en tant que blogueuse, influenceuse pour la jeunesse, je m'assois pour parler. J'essaye de faire en sorte que ce soit une vérité, ce que je pense. J'essaye de ne pas blesser. Quand je dis j'essaye, c'est parce que je ne suis pas parfaite. Je peux faillir. Et à chaque fois que j'arrive à faire une bêtise, je n'hésite pas de demander pardon. Vaut mieux qu'on te tue après avoir demandé pardon. Mais si tu meurs alors que tu n'as pas eu l'occasion de demander pardon, ton âme est perdue. Ton âme est perdue. Est-ce que Bob Lee a eu le temps de demander pardon? En tout cas, pas publiquement. On ne va pas confirmer qu'il n'a pas eu le temps de demander pardon parce qu'on n'était pas dans sa chambre secrète. Mais les actions que tu as posées publiquement là, tu dois pouvoir demander également pardon publiquement avant que ton Père Céleste n'accepte ton pardon. C'est pourquoi la Bible te dit, quand tu veux aller à l'église, va d'abord demander pardon à ton voisin. Tu ne peux pas aller donner la dîme à l'église alors que tu viens de tuer. Tu ne peux pas aller donner la dîme à l'église alors que ton frère meurt de faim, mais tu viens donner à Dieu parce que tu attends les intérêts. Tu ne peux pas aller fouler tes genoux à l'église alors qu'avec ta sœur la veille, vous ne vous parliez plus, mais tu vas te moquer de Dieu. Bob Lee ne pouvait pas aller demander pardon dans sa chambre secrète à Dieu, alors que publiquement, il y avait des larmes qui avaient coulé. Dans les clashs là, il y a beaucoup comme ça sur Meta, qui vont très loin. Il y a des gens qui prennent les maris des gens, les femmes des gens, ils exposent. Ils ont 1000 personnes qui les regardent, ils sont contents. Ils sont contents. Mais ils ne savent pas qu'il y a un retour. Ils ne savent pas qu'il y a un retour. Vous détruisez. Lorsque vous dénoncez un voleur, vous ne pouvez rien avoir. Et avant de dénoncer ce voleur,
Essayez de voir si vous pouvez sauver les choses. Si vous pouvez traiter derrière. Je vais vous raconter une autre histoire. J'ai eu un problème avec une représentante au Cameroun. Il faut honorer les gens de leur vivant. La représentante, dans ma raison, preuve à l'appui, elle a voulu me créer des problèmes, salir mon image. Elle s'est rapprochée d'un blogueur et d'une blogueuse camerounaise pour... Non, elle s'est d'abord rapprochée d'un blogueur parce que la blogueuse, elle, c'est ma personne. Elle s'est rapprochée de ce blogueur pour me salir, pour que le blogueur ouvre mon dossier en public. Qu'est-ce que ce blogueur camerounais a fait? Ce blogueur s'appelle Mouton Mouton. Mouton Mouton ne change pas. Que ton blog reste un blog de la vérité. Tu pourras te tromper un jour, tu es un être humain. Mais nous voyons tous comment tu fais l'effort d'avoir un blog potable. Elle a appelé Mouton Mouton. Elle a parlé. Mouton Mouton, au lieu de ramener ça sur les réseaux, parce que lorsqu'on tague mon nom pour me salir, ça donne les vues. Au lieu de se faire des vues avec mon nom, Mouton Mouton m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, l'étoile, vu ce que tu viens d'avoir avec la mort de Martinez et ce dossier en plus, ça peut détruire ton blog, même si tu es dans ta raison. Et je vois que tu es dans ta raison. Fais ceci, fais cela. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'a pas fait les vues avec. Il aurait pu. Eh oui, il aurait pu. Il a d'abord arrangé derrière. Essayez de le faire. C'est vrai qu'on paye beaucoup d'entre vous pour salir. Mais ceux qui vous payent là ne sont pas exposés. Ceux qui nous payent, moi on ne m'a jamais payé. Qu'on ne joue pas avec un esprit. Vous vous souvenez le jour où Martinez Zogo est décédé. Lorsqu'on a mis mon nom dans la liste de ceux qui ont eu l'argent de Martinez. Je suis une chrétienne. Je sais ce qu'on ne peut pas dire à un esprit qui est encore en train de errer dans le monde. Je me suis mise en vidéo, j'ai dit Martinez, Martinez Zogo, si de près ou de loin, j'ai eu ton argent, que ton esprit me hante. Parce que je voulais montrer aux vraies personnes qui ont la jugeote qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Si je me reprochais de quelque chose, je n'allais jamais le faire. On ne joue pas avec les esprits. Mes collègues blogueurs, que Meta ne nous transforme pas. Facebook a créé Meta pour qu'on gagne l'argent dignement. Facebook a créé Meta pour qu'on crée du contenu qui peut aider. Facebook a créé Meta pour qu'on puisse retrouver les collègues, les copains d'école. Facebook n'a pas créé son réseau pour qu'on se haïsse, pour qu'on se détruise, pour qu'on se fasse du mal. Pourquoi l'homme africain, tout ce qu'il touche, il essaye toujours de le transformer en cendre? Pourquoi on ne peut pas avoir un blog qui va nous aider à progresser? Pourquoi on ne peut pas avoir un blog? L'Afrique a les problèmes, nous avons le sous-développement, l'Europe a évolué. Pourquoi notre blog ne peut pas servir à l'évolution du continent africain? De temps en temps, on peut se chahuter parce que l'Africain aime les provocations et rigoler. On s'ennuie en Europe. Mais jusqu'où pouvons-nous nous chahuter? Jusqu'à souhaiter la mort de l'autre. Pourquoi? Nous avons des gens qui meurent de faim en Afrique. Nous avons des familles qui dorment à l'air libre. Nous avons des mères qui dorment dans des maisons avec des toits qui coulent. Nous avons des enfants qui n'ont pas d'argent pour aller à l'école, qui font des kilomètres à pied. Nous avons des villes où il n'y a pas d'eau, d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure. Est-ce que nous n'avons pas assez de problèmes qu'en tant qu'Africain, on peut régler? On peut profiter de notre notoriété pour faire ce qui est bon. Je salue ici le blogueur ivoirien Apoucho National, qui profite de son blog pour créer des associations et aider ceux qui ont besoin. Nous avons besoin des personnes comme ça qui ont compris la vie. Il est sorti des clashs. Aujourd'hui, il fait ce qui est bon.
Je salue ici le blogueur Makoso Kami, qui malgré sa grande gueule, lorsqu'il reconnaît ses torts, il se met à genoux devant les caméras. Quand bien même on lui dit que c'est de la comédie, il demande pardon. Parce qu'il sait qu'il est conscient qu'il a offensé. Et après, il passe à autre chose. Voilà deux Ivoiriens que je peux déjà citer. Qui font du bon travail. Qui essayent. Voilà Emmanuel Keta, en Côte d'Ivoire, qui se fait lyncher sur les réseaux sociaux par sa propre sœur ivoirienne, matin, midi, soir. Parce que vous détestez son contenu, parce que vous détestez son avancement, parce que vous détestez sa gloire, vous êtes d'accord que sa sœur l'insulte matin, midi, soir, sans répit. Lorsqu'elle va aussi enlever sa culotte et elle va maudire, vous allez venir dire qu'elle est méchante. Or, matin, midi, soir, elle a une sœur avec qui elle a mangé, dormi dans le même lit. Et elles ont eu des fous rires ensemble. Mais aujourd'hui, cette sœur-là est devenue son poison. Vous n'arrêtez pas ça. Vous n'arrêtez pas ça. Quand tu es caché en faux profil et que tu encourages la haine, tu es tout autant responsable que celui qui fait la haine. Si à un moment donné, nous les acteurs des réseaux sociaux et les vrais profils qui nous suivent, on disait stop quand les choses vont trop loin, on limiterait beaucoup de dégâts. Les pages de méchanceté existent encore parce qu'on ne sait pas stopper. Si on commence à menacer ces gens, quand vous entendez quelqu'un dire « je vais te », on menace cette personne, on lui dit « si tu continues, on va t'enlever des réseaux » parce que c'est l'image de l'Afrique que tu salis. Quelle image on aura que les Africains sont les sorciers? Une femme africaine s'est levée. Vous savez, quand je crie, j'ai mal à la gorge. Une femme africaine s'est levée, elle a pratiqué le vaudou en direct, quelqu'un est décédé. C'est l'image-là que vous voulez. On ne nous a pas assez insultés. On ne nous a pas assez méprisés. On ne passe pas assez pour des cons dans les pays des gens. Il faut en plus que vous nous colliez d'autres étiquettes. Mes frères africains, calmons-nous. Je ne suis pas parfaite. Mais je prends le peu de ma perfection pour partager avec vous. Le message que je vous donne là, je me le donne à moi. Et on des blogs qui peuvent instruire, éduquer, conseiller, sensibiliser. Clashons-nous dans la limite du raisonnable. J'ai vu un frère camerounais, pas plus tard que ce matin sur YouTube, en train de vanter les mérites d'un produit français. Et dire à ses frères camerounais de ne pas consommer mon produit à moi, que mon produit est trop cher. Au lieu de prendre un produit africain, mettre en avant, nous avons l'huile de palme, comment on appelle ça, l'huile des noix là, qu'on met sur la peau. Même pour me clasher, mettre l'Afrique en avant, ça aurait été mieux. Au lieu de prendre la crème Mixa et de mettre en avant, fallait prendre l'huile de noix de coco et de dire, achetez l'huile de noix de coco. Parce que ce blogueur, il dit que l'huile Mixa coûte 6 euros. Or, l'huile de coco là coûte 1 euro. Il pouvait plutôt dire que ça même c'est encore moins cher. On préfère salir l'Africaine. On préfère salir le travail d'une Africaine pour mettre en exergue le travail d'un étranger. Je suis une citoyenne du monde. J'aime l'Européen. Je ne suis pas raciste. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mes frères et sœurs africains, soyons soudés. Mes frères et sœurs africains, prenons l'amour. Mes frères et sœurs africains, arrêtons la haine. Ça ne sert à rien. Ceux qui viennent d'arriver sur cette page, abonnez-vous. C'est la page de la sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience, les conseils. Bob Lee, personne ne mérite la mort. Même ton pire ennemi. Tu avais tous ses défauts. Mais je pense pas qu'au fond, tu étais quelqu'un de méchant. Mais tu t'es laissé prendre par le game. Mon frère, que Dieu te pardonne. Qu'il reçoive ton âme. Qu'il ne se souvienne pas de tes erreurs. Parce que malgré tout, tu avais ta place dans le game.
Tu n'as pas fait que ce qui est mauvais. Mais malheureusement, le mal a pris le dessus. On ne va pas t'oublier. On a mal pour toi. On a mal pour toi. Tu étais le baobab des réseaux sociaux. Même moi, lorsque je me préparais à faire un live où je devais citer ton nom, je tremblais un peu. N'est pas n'importe qui s'attaquait à Bob Lee, mais qui peut. Mais regarde la fin, mon frère. Tu as fini seul dans ton appartement. Personne à tes côtés. Va, repose en paix. Je vous en prie. Ensemble, prions pour notre frère. Que son âme repose en paix. Love Gugu, tu as eu mal, tu as été blessé, tu as beaucoup souffert. Ma sœur, libère ton cœur. Ton enfant a agi. L'esprit de ton enfant a agi. Love Gugu, toi-même, tu n'es pas facile. Quand tu t'assois sur les gens ici pour les dénigrer, tu n'y vas pas de main morte. Toi, c'est vrai qu'on t'a pris au moment où ton fils, tu avais le plus mal. Quelqu'un va me dire, attention, elle va convoquer des choses dessus. Je n'ai pas peur de l'homme de la terre. J'ai peur de Dieu. Surtout pas dans ma raison. Toi-même, quand tu veux insulter là, tu sais doser. Tu doses. Ma sœur, libère ton cœur maintenant. Ton vœu a été exaucé. Ton enfant, peut-être pour toi, va reposer en paix, mais il ne va plus jamais revenir. Libère ton cœur. Et puis, ma sœur, ce n'est pas à chaque fois qu'on va t'attaquer que tu vas maudire. Parce que sinon, celui qui maudit est maudit aussi. Ce n'est pas à chaque fois qu'on va t'attaquer que tu vas sortir ta culotte. Ce n'est pas à chaque fois qu'on va t'attaquer que tu vas sortir des malédictions sur les gens. Parce que tu as des gens aussi que tu offenses. Sinon, nous tous là, on va se tuer tous les jours. On va se faire du mal tous les jours. Toi, ça t'a fait mal pour ton enfant. Mais il y a ceux que tu provoques aussi, ceux qui n'ont pas perdu d'enfants, mais ils peuvent perdre leurs enfants. Le stress peut les amener à la mort. Il faut que tu modères aussi ton blog. Parce que quand on a mal comme tu as mal, on évite aussi de provoquer les autres. Tu n'es pas simple non plus. Libère ton cœur maintenant. Pardon. Laisse ton enfant aller se reposer en paix. Le petit a déjà eu sa dose comme ça. Maintenant, il faut prier pour son esprit. On parle pour cet enfant-là parce que c'est aussi notre enfant. Je ne sais pas quel âge il avait, mais toutes les femmes sont des mamans, peu importe leur âge. Laisse l'âme de notre enfant aller se reposer. Je t'avais déjà dit ça. Laisse notre enfant maintenant se reposer. La mort là, c'est le cycle de tout le monde. Chacun va partir. Si tu ne laisses pas l'âme de cet enfant se reposer, ça veut dire que tu reproches à Dieu d'avoir créé la mort. Et tout ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait dans ta vie est bon. Si tu es une vraie croyante, tu dois savoir que ce que Dieu décide dans ta vie est bon. Dieu a pris ton enfant. Laisse-le se reposer maintenant. Maman Tina a pleuré à Rafat. Mais maman Tina a enlevé toutes les paroles méchantes qu'elle a prononcées sur les gens. Oh, cette mère a été insultée. Elle a été dénigrée. Elle a été salie. Suis l'exemple de tes aînés. Courage à toi également, parce que tu es toujours blessé. Mais je t'en prie, fais une messe désormais pour le repos de l'âme de ton enfant. Parce qu'il ne faut pas que même là-bas, là, leurs esprits aillent se discuter, se bagarrer. Pourquoi tu m'as pris? Pourquoi tu m'as ceci? Ce que tu as fait est très grave. Hein? Tu n'as pas idée. Les gens aujourd'hui vont laisser, ils vont d'abord prendre les émotions. Faut pas qu'après tu deviennes la cible des réseaux sociaux. Parce que parfois, quand tu as un problème et que tu le gères mal, tu perds ta raison. Bah, le nouveau truc, ce sera de te traiter d'assassin. Oh, tu n'as fait que te défendre. Mais peut-être que la parade que tu as choisie n'était pas forcément bonne. Mais on peut pas te juger. Parce que tu étais une mère en peine. Dans la colère, c'est pourquoi la Bible dit ne dormez pas avec la colère. Parce que c'est dans la colère que Satan passe pour vous donner des idées sales, des idées noires. Dans la colère, tu peux tuer.
Dans la colère, tu peux tuer. Mes étoiles d'amour, j'ai assez parlé. Mes frères et sœurs blogueurs, quand on nous envoie les dossiers là, il faut qu'on les examine bien. Quand on veut décider de s'asseoir pour les vues là, il faut qu'on réfléchisse bien. La mort là. La mort n'a pas d'amis. Ouais. Je vais prendre des intervenants. Je vois que les gens veulent parler. On appelle. Il n'y aura pas de publicité dans ce live. On peut profiter de cette audience pour nos produits. Mais comme on va faire un petit hommage, on aura d'autres occasions. Bob Lee ne sera plus là. Nous, on a le temps de vendre nos produits. Je vais prendre des gens dans ce live. Je vous en prie. Je vais prendre peut-être 3 personnes. Je ne veux pas les gens qui vont rappeler les défauts de Bob Lee. On a assez rappelé ça au début du live. Je veux des gens qui vont apaiser, donner des conseils. Oui, je fixe des directives dans mon live. Merci, Kabou. Abonnez-vous sur la page de l'Étoile Caribienne. Partagez massivement le live. On va prendre des gens qui souhaitent intervenir. Parce que c'est aussi beau, grâce à toutes ces personnes qui nous suivent que nous existons. Quand il y a un sujet comme ça, elles aiment aussi savoir que leurs paroles ont de l'importance. Leur voix compte. Voilà. J'essaye de prendre 2 autres personnes, mais je n'arrive pas. Alors, nous sommes en train... Voilà Cabrel qui est parti, effectivement. Alors, tous ceux qui vont vouloir intervenir dans ce live, je veux voir vos visages. Désormais, les gens qui interviennent dans mes lives à visage découvert, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut bien vous voir? Prendre une bonne posture pour parler aux gens qui sont là, s'il vous plaît. Bonjour, excusez-moi. C'est pas grave, madame. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Vous avez bien parlé. Voici l'exemple d'un être humain. Nous tous, on a nos défauts comme nos qualités. On ne souhaite pas la mort à qui que ce soit. Et j'ai écouté tout ce que vous avez dit. Je vous remercie beaucoup. Et courage à vous. Et force à vous aussi. Et Bob Lee aussi. Je ne le connais pas comme ça, mais par les réseaux sociaux, je le vois. Mais quand même, on le souhaite là où il part, que ça soit du bonheur pour lui. Le reste, je sais pas quoi, je n'ai pas de mots quoi, mais franchement, personne n'a souhaité le mal à Bob Lee. Malgré ses défauts, mais il reste toujours comme ça. Ça doit apprendre aux autres personnes de bien parler aux autres, de ne pas attaquer aux gens comme ça, tu comprends? Parce que nul n'est parfait, on ne connaît personne dans ces réseaux sociaux. Donc ça doit éviter beaucoup de choses dites sur les réseaux. Vraiment, moi, quand j'ai appris sa mort, j'ai dit non, je ne crois pas jusqu'à présent. Mais quand même, il a fait fort. Mais on encourage sa famille quand même. Et tout ce qui le suit, vraiment, ça fait du mal. Mais quand même, je vous estime bien parce que vous exprimez bien. Et tout ce qui vient du cœur, je sais très bien que ça vient de votre cœur et je vous encourage à aller de l'avant. Moi, je te suivais avant, mais je ne te suivais pas trop. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai décidé d'abonner à ta page parce que tout ce que tu dis, c'est très important. Voici une bonne personne. Il doit se comporter comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir, mais je n'ai pas pu prendre la personne au même moment. Donc, on va prendre une deuxième personne. Nelly, tu te bases sur quoi? D'accord, Obianga. Si tu as été opéré, il n'y a pas de problème, mon étoile. Là, j'essaye de prendre quelqu'un qui essaye de rentrer. Obianga, il n'y a pas de problème. Si c'est ton excuse et que c'est vrai, alors on peut te prendre. Alors, oh mince, j'essaye de prendre une personne. M. Fred, tu vas refaire la demande
Parce que quand quelqu'un essaie d'entrer dans le live, on ne peut pas prendre. André Babette, bisous mon bébé. Amit Tissier, bonjour. Kimo Merlin, bisous. Clara New Look, bisous à vous tous, mes étoiles d'amour. Là, j'essaie de prendre les réseaux des. Je crois que le réseau de deux personnes dérange beaucoup. S'il vous plaît, essayez d'avoir un bon réseau, s'il vous plaît, mes étoiles. Essayez un peu. Voilà, on essaye de faire entrer quelqu'un. On essaye. Ça tourne, je vais changer de personne. Voilà, je vais changer de personne parce que, madame, je suis... Voilà. Have you seen my sunglasses, please? I'm trying to look here. I don't know where is it. Allô? Oui. Bonjour, mon étoile. Bonsoir. Bonsoir. On dit quoi? Ça va? La forme? Ah, ça va pas trop. On est en deuil. Les blogueurs, encore une fois, nos réseaux sont en deuil. C'est un collègue qui est parti. Voilà, ça ne va pas. Ah ben. Déjà, j'espère que tu vas bien. Et puis, tu vois, moi, je suis souvent en direct et tout. Je suis souvent en direct. Excuse-moi. S'il te plaît, frère, il y a beaucoup de personnes qui te regardent. Prends une posture pour les respecter aussi. Assieds-toi. Quand vous jouez, mon désolé, frère, désolé. Excuse-moi, voilà, je prends un t-shirt. C'est important, la politesse, quand même. Excuse-moi, désolé. D'accord, d'accord. Je prends un tricot. Je prends un t-shirt. Bon, je vais te laisser prendre le t-shirt. Je vais d'abord faire monter aussi d'autres personnes. Ouais, je suis prêt là. Je suis prêt. Donc, j'espère que tu vas bien, toi. Vas-y, mon étoile, on attend ton intervention. Tu voulais nous dire quoi? Ouais, déjà, moi, je tenais à te dire que, tu vois, toutes ces histoires qui arrivent aujourd'hui, je pense qu'il faudrait savoir que ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et il ne faut pas toujours... Tu ne m'écoutes pas bien? Attends, tu n'entends pas bien. Bon, on va d'abord prendre... Bonjour, frère. Bonjour, bonne arrivée dans le live, mon étoile. Merci bien, ma reine. Oui. Vous savez, moi, je me présente d'abord. Moi, je m'appelle Oudrago, la tête, je vis à Côte d'Ivoire. Voilà, donc je vais participer à votre émission. Oui, tu peux participer, mon étoile. D'abord... Je m'incline à travers la mémoire de nos ancêtres qui ont souffert lors de l'esclavage par rapport aux religions du privilégié, à savoir l'islam, le christianisme, le judaïsme. Vous comprenez? Bob Lee, s'il savait qu'il soit distillé réellement, moi, à travers lui, j'ai vu qu'il portait la croix de Hans. C'est-à-dire cette croix que moi je porte. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Il a compris réellement que sortir des religions du privilégié, c'est revenu à sa source. Mais le reste qu'il a commis, c'est les emprunts aux femmes. En fait. Parce que dans notre tradition, un kémite ne peut insulter la femme, quel que soit ce que la femme l'a fait. Et insulter de façon publique ne peut qu'attirer que des malheurs. Ce n'est pas seulement la religion qui nous enseigne cela, mais la tradition africaine. Oui. Vous comprenez? Moi, je l'ai admiré parce que tout simplement, il prenait les valeurs traditionnelles. Parce que porter cette croix, c'est une croix de vie qui symbolise la femme, l'homme et l'enfant. La femme est au-dessus de tout. Nos ancêtres ont magnifié la femme parce que c'est la femme qui donne la vie. Et la plupart de ces classes qui font sur le réseau social, que moi je ne mêle pas, mais étaient destinées uniquement à ces femmes-là, qui symbolisaient l'amour et la vie. Donc les paroles négatives qui sortaient de sa bouche ne peuvent que se renvoyer à lui-même. En fait, la loi de la nature. Ça n'a rien à voir avec les malédictions de je ne sais quoi. Non, c'est la loi de la nature. Proférer des paroles négatives, surtout envers la femme, est tellement dangereux que pour se faire pardonner, il faut demander pardon. Attends, Obianga, le monsieur est en train de parler, Obianga. T'inquiète pas, on va te prendre. Laisse déjà ce monsieur parler. Ok. S'il te plaît. Voilà. Il faut demander pardon de façon publique. Parce que les paroles ont été dites de façon publique. Exact. C'est comme marcher. Vous insultez une personne, vous attrapez un voleur. Et si ça veut qu'il n'est pas un voleur, de la façon que vous l'avez attrapé au marché et que tout le monde a su, de la même façon que vous irez au marché demander pardon de façon publique, pour que son nom soit lavé de façon publique. Donc, le fait que quelqu'un a perdu un tiers de ce qu'est son enfant, le fait de se mettre sur les réseaux sociaux et d'insulter de
façon physique, quelqu'un qui a perdu, elle est tienne, ne peut que, la maladie ne peut que vous foudroyer. Donc, c'est donner conscience à tout un chacun, quel que soit l'islam, la religion et le christianisme, de respecter la femme, la mémoire de notre Dieu. Il y a une puissance spirituelle que les gens ne savent pas. Quand la femme est dans son droit et surtout dans la vérité, c'est-à-dire, choisis de te maudire, sache que tu es un homme perdu. Tu es un homme perdu, tu ne peux y échapper cette malédiction-là. Ce n'est pas possible. Parce que nos ancêtres nous ont dit toujours, quand tu sors quelque chose de ta bouche, limite ta langue 7 fois avant de sortir. J'ai remarqué, quand il s'agit de bénir des personnes, les gens le font au nom des religions du privilège. Oui. Mais quand il s'agit de maudire, on ne le fait pas au nom de Jésus, ni de Mohammed. Non. Parce qu'il n'y a pas de puissance là-dedans. Oui. On le fait au nom de nos ancêtres, en versant de l'eau, en prononçant des paroles. Qui va, c'est-à-dire on fait appel à la tradition africaine. Ça, c'est pour vous dire que la tradition africaine est la seule et unique vérité. Et cela est démontré. Moi, je ne réagis pas de savoir si avec plusieurs mots. Mais c'est juste donner des conseils à nos frères de mesurer les paroles qui sortent de leur bouche. De ne pas prendre conscience aux autres. Ouais. C'est la vie. Bianga, le monsieur est en train de parler. Permet qu'il termine parce que son intervention est très bien, mon étoile. T'inquiète, on va te donner la parole. Donc, c'est-à-dire que désormais, lorsque les clashs, il n'y a pas de souci, ça ne monétise pas des gens. Les gens s'occupent, comment on appelle, des faits divers dans la vie que nous vivons. Mais quand il s'agit des douleurs, il faut éviter beaucoup de choses. On ne joue pas avec la tradition africaine. Les entités et les ancêtres veillent sur nous et nous regardent. Le mot qui est parti, n'est plus physique, mais l'est spirituel. Mais quand on se mord de la mémoire de quelqu'un qui est parti, mais attends-toi à ce qu'il fasse de tout son possible. De pouvoir faire de tout ce que toi tu reviennes. Parce que la dame est dans la vérité. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qu'il a fait? Et toi, avant au lieu de combattre la douleur de cette dame, il y a des paroles négatives qui sortent de ta bouche. Nous sommes des cliniques. Et nous prenons toujours l'amour. Et nous disons non à tous ceux qui insultent la mémoire des morts. Qu'ils fassent très attention quand tu ne s'en prends de l'eau. Et au nom des ancêtres, et quand elles baissent, sache que cette malédiction-là, tu suivras. Même si tu invoques Jésus, tu invoques Mahomet. Parce qu'elle est dans la vérité. Oui, elle est dans la vérité. Le mort n'est pas plus. Voilà pourquoi on respecte la mémoire de tous ceux qui sont partis. Il ne parle plus. La preuve, il n'est plus là. Mais je ne peux donner un jugement sur sa personne. Mais tout ce que moi, je peux dire à tous ceux qui me suivent, c'est de faire très attention. Merci. De ne plus se moquer de quelqu'un qui est parti, de faire très attention. Et même vous, dans votre live, mesurez beaucoup les paroles. On ne se moque pas de la mémoire de quelqu'un, parce que nous tous, on partira un jour. Mais dans quelles conditions? J'aurais appris peut-être qu'il est parti sans assistance pendant quelques jours avant qu'on est parti. Donc vous voyez la gravité dans laquelle il est parti. Donc c'est juste vous dire, osez aux autres de s'aimer, quel que soit notre différent. Nous, on a choisi de devenir à la tradition africaine. On a choisi d'être chimique. On a choisi d'être spirituel parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il y a la vérité. Et ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont musulmans, sachez que nous sommes vos frères. Voilà. Donc nous voulons vivre la paix et dans l'amour. Nous remercions de vous appuyer de votre vie. Que les entités vous bénissent. Et que les entités de la foule vous bénissent. Gloire et honneur aux entités. Merci, grand frère. Merci pour l'intervention. Voilà. Alors, Obianga, oui. On t'écoute. Oui, sister. Bonjour. Hein. Bonjour à vous. Mm. C'est comme je disais dans le commentaire, je viens d'être opéré. C'est mercredi dernier qu'on m'a opéré. Oui. Et si j'interviens, c'est parce que j'ai vu Bob Lee. J'étais son voisin de chambre à l'hôpital le jour où il était arrivé. Ça fait environ trois semaines comme ça. Tu parles un peu fort pour ne pas faire dormir le live, ouais. On entend. Si te... C'était un peu environ trois semaines comme ça. Ouais, il était venu aux urgences. Bon, on l'avait ramené des urgences. Ah, il y avait une autre femme là, je pense que c'était une Camerounaise. Elle avait l'accent un peu du Cameroun. Et donc, quand... Il arrive les premiers soirs, quand on lui fait, parce qu'il était arrivé, il marchait normalement, tu vois, le truc.
Et quand il arrive dans la chambre dans laquelle on nous avait mis, je me rappelle qu'il avait imposé qu'on mette un autocollant derrière lui. Moi, je ne lui connaissais même pas. La même soirée, autour de 23 heures, il commence à faire un direct, il parle au téléphone. Moi, je m'endormais un peu et je me rappelle que moi, je ne lui connaissais même vraiment pas au-dessus de la toile, quoi. Je voulais lui faire comprendre que grand frère, moi, j'ai des douleurs un peu abdominales et tout comme ça, puisqu'on attendait les résultats de mes examens. Oui. Il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. C'est que le lendemain, maintenant, matin, parce qu'il avait dormi dans la même chambre avec moi, je me rends compte que c'était quelqu'un qui était un peu... C'était un influenceur. Alors, on a commencé à parler. Il me demande d'où je viens. Je lui fais comprendre que moi, je suis d'origine camerounaise. Il me dit, ah, tu es du Cameroun. Je dis, oui, grand frère, moi, je suis du Cameroun. Mais je constatais que sur ses lèvres, tu vois les lèvres un peu, c'est comme chez nous, ici en Amérique du Nord, en Amérique, quand il y a l'hiver, tu vois la peau des lèvres là qui te un peu quoi. J'avais constaté ça dans la vidéo. Tu vois, il avait la blessure, il avait une blessure vraiment au niveau du palais là, le palais central. Donc ça trouve que quand il mangeait souvent, de temps à autre, même si c'est une simple boisson, parce qu'il buvait un peu de temps à autre les jus d'orange, et ça le picotait un peu le palais. Il me dit, ah mon petit, je dis, ah, le vieux Mogor, comme j'avais compris qu'il était ivoirien, tu sais un peu les appellations entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Je dis, ah, mon vieux Mogor. Oui, ouais. Vas-y, au bien grand. Mon frère, tu es un homme, tu es un Camerounais, mais un peu, on écoute bien. Ouais, ouais. Vas-y. C'est comme je te dis, je suis encore convalescent là, quoi, mais je fais la peine, je prends un peu la peine de parler. Okay. Et donc, ça trouve que la même nuit que je suis en train de te raconter, quand il était arrivé, il a fait son direct. Le lendemain matin, on a commencé à parler en attendant les résultats de cet examen. Maintenant, il y a une jeune infirmière qui était stagiaire, qui était venue avec un lot de papiers, elle explique en anglais, tout, 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 tout. On lui fait comprendre qu'on ne constate rien dans les prises d'examen qu'on a eu à faire. Qu'on lui réfère maintenant, genre, le lendemain matin, nous sommes là la semaine du 6 juin. Mon frère Obianga, s'il te plaît, je ne veux pas te couper. J'espère que le témoignage que tu es en train de nous donner, n'oublie pas que ce monsieur est décédé. Ouais. J'espère que ce témoignage émane de la vérité pure. Bien sûr, grand soeur. Et permets-moi, s'il te plaît, mon étoile. Il y a quelqu'un qui dit qu'aux États-Unis, les chambres dans les hôpitaux sont individuelles. Non, attends, s'il te plaît. Je te demande juste de respecter la mémoire de cet homme et de nous parler que la vérité de ce que la tu vérité. As dit. Je suis en train de te dire, quand il arrive aux urgences, les chambres d'urgence, le plus souvent, il y a deux. Ce n'est pas individuel. C'est quand on t'hospitalise, parce que lui n'était pas hospitalisé. Ah. C'est, c'est à la suite de la remise de ses examens qu'on lui fait rentrer à la maison. Oui. Et là, on n'avait plus eu de ses nouvelles. Oui. Parce qu'on ne peut pas t'hospitaliser sans toutefois te diagnostiquer. Tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire. Le nom de l'hôpital, c'est quoi, Obianga? Pardon? Le nom de l'hôpital où vous vous êtes retrouvé, c'est où? Allô? Le nom de l'hôpital où tu étais avec Bob Lee, c'est où? C'était le CHU. Les urgences? Ouais, le CHU. C'est dans le CHU, en fait, c'est comme le CHU aussi. C'est l'appellation un peu des... Le CHU, hôpital universitaire, quoi. Et c'est dans quelle ville là-bas aux États-Unis? Dans quelle ville? Je ne sais pas, moi. Obianga, l'hôpital où tu étais avec Bob Lee, c'est dans quelle ville? Je n'aime pas les tintins, hein. Vous comprenez? Je n'aime pas les tintins. Quand vous venez faire votre sorcellerie là sur Meta, il faut vous calmer. Tu as compris? C'est pour ça que tu t'es caché, on demande ton visa, tu refuses, tu manques quand t'as opéré. Vous voyez donc? Est-ce que vous voyez donc les démons en liberté? C'est-à-dire que ce monsieur ne me... Ouais, Dieu! Bob Lee, comme tu aimais souvent rire là,
Peut-être Bob, lui, il sait qu'il aimait souvent s'énerver. Après, il rigole un peu. Il a eu besoin de transformer ce live avec un peu de rire parce que on est stressé, on a mal. Bob, lui, tu étais puissant. Même dans ta mort, tu amènes quelqu'un nous faire rire un peu. Parce que Bob, lui, avait ce côté. Il est sérieux. Après, il fait un petit rire. Ouais, Bob, lui. Bob, lui, regarde. Ouais, Dieu du ciel. Et qui est Bob, lui? Vous voyez les gens. Quelqu'un s'ennuie. Je vous dis, les Africains, dans les Africains, il y a des gens qui ne sont pas normaux. Voilà quelqu'un qui parle en toute aisance. Il vous dit qu'il a assisté aux urgences de quelqu'un, à la remise de quoi là? De son état de santé. On demande que c'est où il s'embrouille. Ah! On peut mentir comme ça à plus de 1000 personnes, mon frère. Hein? On peut venir sur Meta, casser un live de sensibilisation comme ça. Tu cherchais quoi, mon frère? La visibilité, même, tu ne cherches pas. Parce que tu es resté caché. Mais ton mensonge, là, c'était pourquoi? Parce que quand on manque, c'est pour avoir un peu d'argent. Quand on manque, c'est pour... Toi, tu vas dire que tu venais mentir, là. Mentir sur le cadavre de quelqu'un. Mentir, on vient de te dire qu'on ne joue pas avec l'âme de quelqu'un. Mais tu arrives... Anyambami. Ça veut dire, mon Dieu, en ma langue maternelle. Ioni, oh mon frère, bonjour mon étoile. Bonjour mon étoile. Allô? Oui, bonjour l'étoile. Oui, bonjour mon étoile, oui Seigneur. Déjà, beaucoup de courage. Hein. Je sais, c'est pas facile dans votre domaine. Mais moi, ma participation, j'ai pour habitude de dire aux gens, on doit se poser une question de notre vivant. Si demain ou aujourd'hui nous mourons, où est-ce que nous irons après notre passage sur terre? Il est plus important à un être humain d'arranger son lendemain. Parce que nous ne sommes que tous des passants sur cette terre. Tout ce que je peux dire concernant le défunt, c'est que ses œuvres l'accompagnent et que Dieu lui accorde son pardon. C'était ma contribution à moi là-bas. Ouais, merci. Merci, frère. Merci beaucoup. Je dis que... Oh là là. Ce monsieur-là, il est venu mentir. C'est-à-dire, vous voyez, quand je vais les appeler... Quand je vais appeler certaines personnes, les démons en liberté sur Meta, vous n'allez pas comprendre. Ça veut tout dire. Quelqu'un vient mentir, on lui dit que l'hôpital, c'est où? Il dit que c'est le CHU comme chez nous. Ça veut dire qu'il vit en France. Il n'a jamais vu les États-Unis avec les yeux. Lui-même, il s'est trahi. Hey, Dieu. Bonjour, mon. Ma chérie, s'il te plaît, lors du live, tu mets ta caméra. Je ne veux pas les gens sans caméra, ma soeur. Moi, je ne sais pas le faire. Comment je fais, moi? Bah, quand tu vas accepter l'invitation, quand tu demandes, tu choisis là où on fait en vidéo. Je veux voir les gens. Allez, regarde l'autre, il vient nous dire qu'il était au CHU. Tu me prends souvent, là. C'est la même mais photo. Moi, attends, je vais essayer. Je prends souvent ma soeur. Vous croyez qu'on peut retenir tous les gens qui entrent sur Meta? Bah, attends, je vais voir. Je sors et puis, je revois. Okay. Vous savez, on ne peut pas se souvenir des gens qu'on prend, hein. Vous êtes une personne, vous vous souvenez des blogueurs. Les démons en liberté, mes frères. Quelqu'un entre dans un live, il manque sur un mort. C'est-à-dire, les enfants d'aujourd'hui n'ont plus peur de rien. Bonjour, mon étoile. Bonne arrivée dans le live. Bonjour, bonjour, l'étoile très bien. Bonjour. Moi, c'est Maureen l'Africaine. Je veux juste rebondir sur ce que le monsieur a dit. Je vis aux États-Unis, à Washington, D.C. Il n'y a jamais... Même aux urgences, il n'y a jamais deux personnes dans une même salle. Parce qu'aux urgences, on a ce qu'on appelle triage. C'est là où on vous check d'abord, on se rassure de votre cas et là où on va vous amener ensuite. Voilà. Donc, c'est toujours séparé. Que ce soit
séparé avec les cloisons, que ce soit séparé avec, mais c'est toujours séparé. Et il y a une loi qui s'appelle ici HIPAA, qui est ce qu'on appelle Health Information, I mean Healthcare Information Portability and Accountability Act. C'est pour sécuriser toutes les informations de chaque patient. Personne ne comprend ce qu'on dit à l'autre patient. Parce que chaque personne, l'information de chaque personne est privée. Maman. C'est un délit. Déjà, chez nous, moi, je travaille dans la médecine, donc je parle de ça en connaissance de cause. Ce n'est même pas possible. On ne parle qu'au patient de son problème. Personne aux alentours. Même la famille, on n'accepte pas la plupart des temps. Hein. Moins que le patient dise que bon, non, je veux qu'elle soit là ou je veux qu'il soit là, qu'il écoute, et ainsi de suite. Même jusque-là, parfois, les médecins ne sont pas confortables de le faire. Ouais. Donc, quand il a dit le CHU, j'ai encore dit, ok, moi, c'est bon, il ne connaît même pas les... Je suis désolée. J'ai su qu'il mentait. Même quand il a dit là qu'il était là, qu'on remettait les informations, c'est pas le Cameroun aussi. Non. Ou l'infirmière, quand tu vas au laboratoire prendre tes examens, dit, celle qui a les pertes planches là, voici ton dossier. Toi qui as l'IST là, oui. Les clamédia, Madame Bibolo, viens prendre ton dossier, c'est pas le Cameroun. Hein. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, il est Camerounais ici. C'est comme ça, à la légère, on s'amuse avec tout. Quelque chose qui est important, il vient faire un joke, il vient faire, comment on appelle, un amusement de ça, c'est pas normal. Ma soeur, je vous dis qu'il y a des menteurs sur Meta comme ça ici. Quand ils racontent vos vies, vous croyez que c'est exactement ce que vous connaissez. C'est comme ça que vous avez vu l'aisance avec laquelle il mentait. Oui. Ouais, ma soeur, je voulais dire couler les larmes. Dieu. Il dit ça fait 3 semaines. C'est totalement un mensonge parce que si tu regardes quand est-ce que Bob Lee essaie même, a même fait son dernier direct, ça ne fait pas 3 semaines. Ma soeur, tu sais à quel moment j'ai su qu'il mentait. Il voulait faire croire que. Il dit que Bob Lee a demandé qu'on mette un autocollant derrière son mur. C'était pour salir la mémoire de Bob Lee de dire que. C'était pour convaincre les abonnés qu'il n'est pas à l'hôpital. Il est chez lui. Comme Bob lui mettait les autos, on peut jouer avec la mémoire de quelqu'un comme de ça. De quelqu'un comme ça. Non. Et même ici, mon étoile, on ne met pas... Quand tu vas à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Hein. C'est pas que tu vas arriver, les nurses vont s'occuper de mettre les autocollants. Non. Ça ne se passe même pas comme ça. Je ne sais pas où ils sortent. C'est parce qu'ils dorment sur Meta. Ils sont nombreux comme ça. Ils observent tous les blogueurs. Ils vont dans tous les clashs. Ils connaissent les vies de tous les blogueurs plus que les blogueurs eux-mêmes. Ils sont fans. Ils sont en même temps fans, en même temps détracteurs. Donc, ils savent qu'on avait clashé Bob Lee. On a dit qu'il mentait que sa maison a 2 étages alors que c'est l'autocollant. Donc, il vient dire aux gens pour saluer encore sa mémoire que jusqu'à sa mort, il a demandé à faire croire que c'est pour ça qu'il parlait d'autocollant. Moi, je comprends. Oui. C'est exactement ça. L'aide vous dit que le live qu'il a fait, c'était à l'hôpital, c'était l'autocollant. Eh mon frère, que Dieu te pardonne. C'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que quelque chose, c'était un live trop éducatif. J'ai été là depuis. Donc quelqu'un comme ça vient maintenant et verser, je ne sais pas quoi. Mais bon, c'est ça. Hein. C'est nous les Africains, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est comme ça, ma soeur. Voilà, c'est ça. Merci pour les. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Moi, je travaille en plein cœur d'hôpital. Depuis COVID, nous, on est dehors, on travaille. Il n'y a pas ça. Ce n'est même pas possible. Et avec COVID, il y a eu tellement de séparation que maintenant, il n'y a même pas moyen que tu te retrouves à côté d'un autre patient. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. De rien, maman. Merci beaucoup. Oui. Bon, mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour suivre ce live. Beaucoup de courage à la maman de Bob Lee, aux enfants de Bob Lee, à son épouse s'il en avait une. Et s'il vous plaît, restons sur ces belles notes. Je ne vais plus prendre personne. J'ai déjà mal à la gorge. Je pense qu'on a assez parlé. Que l'âme de Bob Lee se repose en paix. Et nous, ma soeur, donne-nous ton numéro de phone. Ouais, Atora, je n'ai pas le numéro. Je voulais vous faire parler, mais le gars, il m'a refroidi. J'étais prête à vous faire juste pour vous-même une heure, pour que vous vous exprimez. Vous nous soutenez tellement. Oh bien, il a fui.
un mythomane. Ouais, Loulou Ateba. Marie-Josée, je voulais vous faire un live où chacun intervient. Regardez comment quelqu'un vient mentir. On vient de te dire qu'on ne joue pas avec l'esprit qui est encore en train d'errer, l'âme d'un décédé. C'est-à-dire, on va vous éduquer. Attendez. Je vais prendre deux personnes pour vous faire plaisir. Que la, qui a, à Thoracie, c'est qui là? Fais la demande là-bas en bas. Je vais te prendre. Je vais prendre deux personnes. On veut vous prendre en direct pour que vous puissiez aussi sentir qu'on vous respecte. Vous êtes là, vous nous soutenez, vous partagez, vous commentez. Comment tu peux venir mentir, mon frère? Tu manques, tu n'as même pas mal pour la famille de ce gars. Si on te laissait parler, tu allais, et il fait semblant d'être malade. Et c'est pour ça qu'on lui dit, mets la caméra, il refuse, il manque, qu'on l'a opéré, il était avec Bob Lee. Et tu mets le nom du Cameroun devant, on t'a envoyé. On t'a envoyé. C'est comme ça que vous nous salissez. Ouais. Mes étoiles, je vais vous laisser. Passez une agréable fin de journée. Bon dimanche. J'espère que mes collègues ont compris. Ça là, non. Ça m'a refroidi. Bob Lee, repose en paix. Love Gugu, apaise ton cœur. Toi, la fille là qui insulte Emmanuel Keta tout le temps. Pardon. Calme-toi. Tu vas trop loin. Moi-même ici, là, j'ai déjà dit Emmanuel Keta sur certains points. Là, il y a beaucoup de personnes. Je ne peux pas dire sur quoi. Pour respecter son travail. On ne peut pas être jaloux d'un être humain au point de ne pas lâcher. Tu ne peux pas faire tout ton blog sur le nom d'Emmanuel Keta. Laisse cette fille en paix. Elle ne manque pas, elle manque, ce n'est pas ton problème. Elle s'occupe de ses enfants, elle ne s'occupe pas, ça ne te regarde pas. Elle s'habille chère, elle ne s'habille pas chère, ça ne te regarde pas. Tu as déjà un peu trop fait sur elle. Merci Marie-Josée. Donc toi, cette fille-là, laisse-la tranquille. Nous sommes fatigués. Cette mort doit te parler. On se demande si tu avoir, si tu, tu réussis à avoir des messages, comprendre ce qu'on veut te dire. Laisse Emmanuel Keta tranquille. Parle d'autre chose. Vous êtes déjà au tribunal. Tu ne fais que la provoquer. Elle est obligée de sortir, faire des petites vidéos. Laisse-la tranquille. C'est quoi? Elle manque. Ça lui fait du bien. Elle ne manque pas. Ça lui fait du bien. Ce n'est pas ton problème. Mais au moins, on sait une chose. C'est que le blog de Manuel Keta ne détruit pas les autres. Elle ne va jamais taguer quelqu'un. Elle parle mal de la personne. Mais elle est connue. Elle est aimée. Merci Christine. C'est bon là. Il faut que la jalousie entre nous là, ça s'arrête. Merci Marie. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez le live. S'il vous plaît. Berlin, bonjour. La Rolandaise, bisous. C'est avant-hier, j'ai crié dans un live. Vous savez que sur les réseaux sociaux, vous devez aussi vous affirmer. Sur certains lives, vous criez parce qu'entre nous, les Africains, quand on ne crie pas, on a l'impression qu'on ne nous entend pas. Quand on parle doucement, certains disent parle fort. Et moi, à chaque fois que je crie, ma voix part. J'ai pas la voix, en fait. Donc, dites à cette fille de laisser Emmanuel Keta tranquille. On ne veut pas entendre qu'il y ait un autre décès, que la loi de la nature a parlé, que Dieu a puni. Merveille, bonjour. On ne fait pas de ça, c'est la représentante de Paris. On ne parle pas de nos produits dans ce live. On va faire un live demain et on va parler de nos produits. Là, c'est Bob Lee. Voilà. Bisous à toi, Mélanie. Mélanie, bisous. Une bonne étoile de ce village. Donc, dites à cette fille de la laisser tranquille. On a créé des pages exprès pour détruire l'image d'Emmanuel Keta. On ne peut pas être méchant comme ça. Vous pouvez faire lui une remarque vite fait, vous passer. Partout où elle part, vous la suivez, ça devient du harcèlement. Il y a des gens qui sont même partis jusqu'à l'école de son enfant. Que celle d'Italie laisse. Ça, c'est non, Nathalie, t'as un côté, ça ne me regarde pas. Je suis en train de parler aux Ivoiriens aujourd'hui. Pardon, j'ai assez eu ma dose, ma soeur. C'est bon, là. J'ai déjà donné mes voix là-bas. Parce que celle dont tu parles, m'a aussi insulté, ça, mais je ne parle pas pour les gens. Je ne vais pas faire les plaidoyers. Chacun a sa bouche. Là, je suis en train de parler en Côte d'Ivoire, il y a dessein. C'est trop de haine, Talita Cortez, sur les réseaux sociaux. Bonjour, Léa. Tu ne peux pas suivre quelqu'un. Vous allez jusqu'à l'école, insister. Je ne prends plus personne, s'il vous plaît. Je ne peux plus prendre, je suis déjà fatiguée. Les gens qui demandent un peu plus, je suis déjà fatiguée.
Merci la Rolandaise, je t'aime très fort. Tu peux pas suivre la vie de quelqu'un à la loupe. Elle a un magasin, n'a pas, c'est pas ton problème. Elle a 12 enfants, 100 000 pères, c'est pas ton problème. Tu as déjà assez fait. Comment vous pouvez suivre le blog de quelqu'un qui parle de la même personne tous les jours? Vous ne pouvez pas comprendre qu'à un moment, la personne n'a rien à dire. Il y a tellement de choses à raconter, tellement de sujets à aborder. Vous voyez, quelqu'un va rester sur une personne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non, Talita, t'inquiète pas, ma chérie. Tu es une personne que je respecte beaucoup. Même en faux profil, tu as l'air d'être une personne respectueuse. Tu n'as pas besoin de t'excuser, je sais que tu as compris. Ami Tissier, bisous. Je vais me reposer, j'ai bien mal à la gorge, je vous promets. Je voulais rester, je n'ai pas de truc. Coucou ma belle, ton message est pertinent. Merci Isabelle. Je vois les demandes, mais je ne peux plus prendre. Ouais, je ne peux plus prendre, ouais. Vous voulez que je vous prenne? Dites-la, si on voit 10 personnes qui disent que vous prenez, je vais vous prendre. Merci Nadège. Bon, je vais prendre une personne. Je vais prendre une personne. Vous êtes tenté de m'aider là. Vous voulez parler? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'occasions pour vous, pour que vous parliez aussi. Mais c'est le gars-là qui m'a refroidi. Il vient mentir dans un live comme ça. Voilà, le réseau dérange. Quand on vous prend, le réseau dérange. Après le live, il faut prendre une cuillère de vinaigre pour dégager la gorge. Merci Wilfried. Comment on prend ça? On met dans l'eau. J'arrive pas à prendre l'autre. Isabelle, je vais te prendre. Oh, mais j'arrive pas à te prendre. J'essaie de prendre une personne. Là, s'il te plaît, tu viens avec la vidéo. Hein. Voilà. Voilà, les étoiles même me disent d'aller me reposer. Hein, j'ai fait un assez long live. Bon, mes étoiles d'amour, là, ça tourne. Quelqu'un est en train d'entrer, mais ça me fait bizarre de couper la personne. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour suivre le live. Je coupe. Bisous, je suis fatiguée.